Alors dans ce vlog, j'avais envie de vous présenter quelques achats que j'ai fait la semaine dernière et cette semaine. Et notamment aujourd'hui, là je viens de chez Action parce que je voulais changer mon sapin de Noël. Le mien, vraiment, bon, c'est un artificiel que je mets chaque année. Le mien faisait à peu près 1m80, 1m80, ouais, je sais plus si c'était 1m80 ou 2m. Mais au fil des années, il s'est vraiment super abîmé. Il manquait une branche, j'avais des branches tordues. En plus, je l'avais depuis plus de 10 ans et je l'avais acheté sur un vide-grenier. Donc vous voyez, c'était déjà un sapin d'occasion, mais il n'était pas du tout abîmé. Mais pas du tout. J'avais fait une super affaire. À ce moment-là, j'avais payé 30€, mais c'est des trucs qui se vendaient plus de 90€ à l'époque, hein, ces sapins-là, parce qu'il était vraiment de très bonne qualité. Là, j'ai été chez Action et j'ai pris un sapin d'1m80 aussi, donc on verra ce que ça donne. Et l'autre chose, je vais vous le présenter après. Mais d'abord, je voulais vous présenter quelque chose que j'ai acheté chez Auchan. Avec ma fille, on avait repéré sur le catalogue des robes mère-fille. Alors, on a pris exactement les mêmes robes, donc des robes de Noël qu'on va pouvoir mettre tout le mois de décembre et au repas de Noël. Ma fille est super contente, donc je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la mienne, parce que ma fille, bon, ben, elle l'a déjà prise, évidemment, elle l'a déjà portée. Elle est à l'école, donc elle ne peut pas faire les essayages avec moi. Je voulais qu'on fasse des essayages côte à côte, mais je ne sais pas si on aura le temps. Si jamais, d'ici demain, on a le temps de le faire, je vous mettrai une petite vidéo. Mais là, je vais vous montrer ma portée, comme quand je vous fais des try-on. Donc, j'ai pris. Alors, franchement, ça valait vraiment le coup, parce que déjà, c'était pas cher du tout. De très bonne qualité, elle tient super chaud, j'étais vraiment super étonnée. Et surtout très étonnée qu'à Auchan, j'ai une robe à ma taille. Parce qu'ils ont des grandes tailles, c'est vrai, mais c'est jamais pour le haut, c'est jamais assez grand. Parce que moi j'ai beaucoup de poitrine et du coup je prends toujours deux tailles au-dessus par rapport à mon bas. Voilà, et c'est difficile à trouver. Donc en 3XL et au prix de 12,99€, j'ai pris cette magnifique robe pull. Non mais regardez-moi ça! Elle est pas trop canon, franchement, elle est pas trop belle, hein. Mais vraiment, hein, elle est archi, archi canon. Je vous mets ça là, que vous puissiez le voir. Et celle de ma fille, elle n'a coûté que 9,99€ en 12 ans, et c'était la dernière. Donc vraiment, elle est trop jolie, regardez-moi ça, jusqu'au bas. Elle est customisée jusqu'en bas, et je trouve ce rouge magnifique. Alors, il y avait d'autres couleurs, pas dans les robes, il y avait d'autres couleurs dans les pulls. Mais moi, vraiment, je voulais rester dans le tradi, dans le rouge et tout, et ma fille aussi avait craqué dessus. Donc on a exactement la même toutes les deux. Donc je vais vous faire l'essayage maintenant. Je vais vous montrer ce qu'elle vaut. Regardez-moi comme elle est jolie. Elle n'est pas trop belle, elle n'est pas trop canon, franchement. Trop, trop jolie. J'espère que vous la voyez en entier. Parce que j'ai pas énormément de recul là pour vous montrer. Mais elle est trop belle. Elle est droite, elle est super canon. Elle tient chaud, mais vraiment. Je suis vraiment super étonnée qu'elle tienne aussi chaud. Et d'ailleurs, je pense que je vais la sortir pour le marché de Noël. On a le marché de Noël qui commence le 2 décembre à Castres. Et ce sera vraiment le bon moment pour la sortir. Elle est trop jolie, trop canon. J'aime bien, là, c'est très 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 doudou ici, là. C'est tout doux, c'est super beau. Vraiment ravie de mon achat pour 12,99€, franchement. Et c'est pas partout qu'on trouve des robes de Noël comme ça, de qualité. À 12,99€ en plus, hein, et de grande taille, c'est vraiment pas partout. Même à Kiabi, j'en ai vu, mais sauf qu'à Kiabi, elles étaient bleues. Moi, j'aime pas du tout le bleu marine, elles étaient bleu marine, donc j'ai pas aimé. Et puis, elles étaient plus chères, mais là, waouh quoi. Bon, ben du coup, je la gardais pour vous faire le haul Action, je l'aime trop. Et puis, comme il y a pas mal de choses pour Noël, c'est dans le thème, donc je la garde. Vous me pardonnerez, il y a toujours l'étiquette derrière. Si je me penche et que vous voyez l'étiquette, c'est normal. Alors, comme je vous le disais, j'ai été à Action pour ça, pour le sapin de Noël qui était en promo de la semaine. Donc, cette semaine, hein, ça a commencé hier. Donc, c'est le sapin qui fait 1m80. Voilà, vous aviez aussi celui qui faisait 2m10. Et d'ailleurs, je pensais qu'il n'y avait que celui-là en promo, parce que moi, quand j'ai vu la promo, j'ai vu marquer celui-là, mais pas celui d'1m80. Et Coco m'a envoyé un message ce matin, heureusement, pour me dire, ouais, j'ai acheté un sapin, machin, puis elle me le montre. J'ai dit, mais c'est pas le 2m10, c'est le 1m80. Il est bien, tout ça. Je savais pas qu'il était en promo. Et du coup, je suis partie direct à Action avant que mon mari parte au travail. J'y suis allée deux coups devant. J'ai pris mon petit sapin et j'ai pris également pas mal de petites choses et des décos pour mettre dessus d'ailleurs. J'en ai déjà, hein, mais je voulais en rajouter, donc j'en ai pris. Et là, il est à 24,95€. Il est en promo de la semaine, ce sapin. Donc, ça valait grave le coup. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous le montrer monter maintenant. Mais dès qu'on l'aura monté, je vous le montrerai dans les vlogs. Il n'y a pas de souci. Allez, on continue maintenant avec ce que j'ai acheté chez Action en plus. Hein. Du coup,
ben, je vous ai dit que j'avais pris des décos. Donc j'ai pris cette petite boîte là. Je l'avais déjà vue il y a un petit moment. Elle est très jolie. Donc il y a plusieurs boules à l'intérieur. Il y en a 24. Hein. Et il y a vraiment les couleurs que j'aime. Des couleurs un petit peu, vous voyez, assez authentiques. Voilà. Donc on a du rouge. Un joli rouge. On a du doré. On a du doré pailleté. Et on a du vert. Alors j'avais acheté déjà un coffret de boules rien que de vertes l'année dernière. Mais j'en ai cassé plusieurs parce que je ne m'étais pas aperçue que j'avais pris des boules en verre. Et là, elles ne sont pas en verre cette année. Hein. Celles-ci ne sont pas en verre, je ne pense pas. Non, ce n'est pas en verre, ça ce serait plus lourd. Ouais, c'est pas écrit, mais non, ce n'est pas en verre. Donc du coup, j'ai pris ça et comme ça, ça ira avec celles que j'ai déjà qui me restent. Donc, voilà, puis après, bon, j'ai d'autres boules d'il y a quelques années, mais j'ai envie de changer un peu. J'ai changé de sapin, j'ai envie de changer de déco un petit peu. Bon, j'ai acheté un sapin. Je suis habillée en Mère Noël, il fallait bien que j'achète des Pères Noël. Donc j'ai pris 3 Pères Noël. Alors oui, pourquoi il y en a 3? Parce qu'il y en a 2 pour mes enfants, il y en a 1 pour chacun pour mes enfants. Et il y en a 1 pour moi, parce que je m'achète un Père Noël par an. Voilà, chaque Noël, je m'achète un Père Noël. Alors ok, c'est pas Noël, hein, mais voilà. C'était pas très cher et j'avais envie de m'en prendre. Hein. Voilà, ce sera mon Père Noël de 2022. Alors ensuite, j'ai pris ceci. Donc ce sont des recharges pour spray... comment ça s'appelle, hein? Oui, pour vous savez, les machines automatiques, là, les Airwick. Alors, j'en ai déjà acheté il n'y a pas longtemps, mais c'était pas celle-ci. J'avais pris des spéciales pour Noël. Et là, j'ai pris Apple Cinnamon, donc pomme cannelle. Alors, je me suis dit que c'était vraiment, vraiment pour Noël, là. Un et quelques, ça coûtait rien. 1,24€, je crois. Je vous mettre les prix, de toute façon, mais ça coûtait rien. Donc, je n'ai pas senti, j'ai pas osé. Il y avait du personnel à côté. Ah, mon sapin qui va tomber, j'ai mis de travers. Non, c'est bon, il est calé. Donc, alors on va le sentir pour voir quand même. Vous voyez, du moment que vous avez ça, ça rentre dans l'esprit automatique. Comme d'habitude, je vise à côté du bouchon. Hein. Vous l'avez remarqué. Ah, ça sent super bon. Ah, ça sent trop bon. Alors la cannelle, elle est légère. Et c'est ce que j'aime. Parce que moi, j'aime bien sentir la cannelle, mais pas trop. Là, vous voyez, j'ai une bougie ben, de Airwick, justement. Cannelle, ben, cannelle poivre. Cannelle pomme caramélisée, je crois. Et là, la cannelle est bien trop présente et limite, ça me gratte la gorge. Mais là, là non. Ah ben c'est frais. C'est frais comme parfum, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, j'en ai pris 2. Comme ça, j'ai de l'avance. Ensuite, alors bien évidemment, on va bientôt décorer. Donc, j'ai pris des piles. Alors, la dernière fois, j'avais pris des piles, vous savez, les plus fines là. Et là, cette fois-ci, j'ai pris celle-là, c'est les standards, les AA. J'ai pris également... des petites madeleines. J'ai pris aussi, alors toujours dans les gâteaux, vous savez, les pâtes feuilletées là que j'aime tant, aromatisées à l'abricot, enfin avec de la purée d'abricot à l'intérieur, c'est trop trop bon. Pâtes feuilletées fourrées à l'abricot. Ils ont changé le packaging, c'est pas tout à fait le même, j'ai l'impression. Et ça, c'est très très bon. Donc voilà, de temps en temps, quand j'y pense, j'en prends. Ensuite, également, en promo de la semaine, j'ai pris des noix. Alors, je sais pas encore si ça va être pour la salade, si ça va être pour mettre sur des pizzas. Si ça va être pour mettre dans des brownies, je ne sais pas encore, mais je l'ai vu les prix. Et ça, c'est pour mon mari le soir parce qu'il aime bien grignoter des trucs. Et là, c'est un mélange de fruits à coque. Voilà, vous avez des noix de pécan, des cacahuètes, je vois, des noisettes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et c'est mieux quand même de grignoter ça que de grignoter des chips ou des gâteaux. Ouais. Donc j'ai pris ces deux. C'était en promo. Il y avait pas mal de petites références en promo. Ah, le sapin m'a tombé. Je l'ai rattrapé au vol. Hop, attendez, levez par terre. Voilà, donc pour ce qui concerne Action, c'est terminé. Mais je trouve que c'est déjà pas mal, mais je suis trop contente vraiment pour le sapin. Et j'espère qu'il va être bien. Je vois qu'il est sur un socle en fer. Donc ça devrait tenir. Moi, le mien, je le mettais dans un pied de sapin que j'avais acheté en os. Un gros, gros de sapin, mais il est un pet à un endroit. Donc je le tournais de façon à ce que ça ne se voit pas. Mais on va voir si ce socle, il tient bien là. Parce que j'ai jamais eu de sapin, vous voyez, avec des petits socles fins en ferraille là. On va voir ce que ça vaut, hein. J'espère qu'il va être bien, j'espère qu'il va être assez touffu. Parce que moi, le mien, quand même, il était pété, mais il était quand même bien touffu. Bon, après, je vous dirai, maintenant, j'ai tellement de plantes qu'il me fallait un sapin quand même. Je regarde là parce que je vais le mettre là-bas, à côté de mon potos. Vous savez, à côté de l'arche, là. Voilà. Je vais le mettre là, comme l'année dernière. Mais maintenant, j'ai tellement de plantes que du coup, ben, j'ai plus de place d'avoir un sapin très, très large. Le mien était très, très large. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu moins large. Donc, ça va être mieux. Ça va être mieux, même si j'aime les gros sapins. Enfin, vous voyez, moi, je suis pas... je veux quelque chose, mais je veux quelque chose de mieux. Mais je veux quand même quelque chose de moins large. Enfin,
Je suis assez, voilà, assez indécise là-dessus, mais je ne veux pas non plus mettre 100 balles à un sapin. Hein. Oh mince, il ne faut pas exagérer non plus. Il a l'air pas trop mal. Bon, voilà pour Action. Ben, maintenant, vous savez ce qu'on va regarder? On va regarder les Glossy Box. Alors, je vous dis les Glossy Box parce que... Alors, je vais vous expliquer. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que je suis très fan de Glossy Box et notamment du calendrier de l'Avent. Voilà. Je l'ai déjà pris l'année dernière et je savais très bien que cette année, je voulais le reprendre parce qu'il avait été top l'année dernière. Donc, pour les abonnés comme moi, alors je suis abonnée à la box, j'étais abonnée mensuellement, donc je n'avais pas pris à l'année comme une andouille, je payais au mois, j'avais oublié d'arrêter ça et de passer en annuel, quoi. Du coup, je payais un peu plus cher au mois. Mais je vous explique, voilà, je vous dis ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, cette box, je l'ai toujours aimée. Il n'y en a qu'une sur l'année dernière que je n'ai pas trop aimée. Là, pour le moment, je les aime toutes. Et encore, la dernière, là, c'était pas la mieux, hein, mais vraiment, en général, elles sont toutes bien. Alors, on va y arriver, on va arriver au bout de cette réflexion. Donc, je vous explique pourquoi j'ai deux Glossy Box. Alors, j'ai deux Glossy Box parce qu'il y a eu une offre calendrier de l'Avent. Alors, on va reprendre du début. Donc, le 2 septembre, j'ai précommandé mon calendrier de l'Avent de cette année, donc le 2022, à 85 euros. Voilà, c'était pour les abonnés. Mais, il y a eu une offre, il y a quelques jours, ouais, il y a une semaine à peu près, il y a eu une offre. Où le calendrier passait à moitié prix, à peu près à moitié prix. Je sais qu'il y a eu une meilleure offre il n'y a pas très longtemps, mais bon, je l'ai ratée et je suis tombée sur celle-là. Donc il y a eu une offre où il était à 44 euros, je crois, si on s'abonnait mensuellement, enfin annuellement à la box. Et on recevait une box supplémentaire en cadeau. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mon calendrier de l'Avent que j'avais précommandé n'était pas encore parti des entrepôts. Ça m'a saoulée en plus parce que. Depuis le 2 septembre, on est quand même le 24 novembre, il n'avait pas été envoyé. J'ai cliqué, j'ai annulé ma commande, ça a été annulé dans l'instant, c'est parfait. J'ai pas été prélevé, rien. Donc, j'ai pris cette fameuse offre où vous aviez le calendrier à 44, je crois, et vous aviez ben, la box, vous payez votre box mensuellement. Vous preniez un an d'abonnement à la box et vous aviez une box offerte. Donc, en plus, moi, je payais mes box 16,50, mais là, comme je la prends toute l'année, je ne vais plus payer que 12,50 par mois. Donc, c'était quand même une super offre. Et en tout, donc, j'ai payé 65 euros pour avoir mon calendrier plus la box. Et la box gratuite. Vous comprenez, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Parce que lorsque j'avais... Mais c'est un peu compliqué, mais vous allez me suivre. Je ne sais pas si vous suivez toujours, hein, mais je continue. Lorsque j'ai commandé mon calendrier à 85 euros, j'ai oublié de déduire 5 euros que j'avais sur mon compte. Vous savez, on peut remplir un questionnaire. À chaque fois qu'on reçoit une box, on dit si ça nous plaît, si ça ne nous plaît pas. Et on a des glossy points. Et ces glossy points se transforment en argent. Donc moi, ça me faisait 5 euros. J'avais oublié de le déduire. J'aurais dû payer mon calendrier 80. Voilà. Mais je les avais toujours. Et heureusement. Du coup, je les ai déduits là. J'aurais dû payer 72 euros. Ben, j'ai payé 67 en fait. Donc j'ai eu mon calendrier plus la box du mois. Plus une box à cadeaux pour 67,50 euros. Voilà. Donc j'ai tout ça à la place de 85 euros pour seulement le calendrier. Ouais, je sais, c'est un peu long. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. J'espère que oui. Donc du coup, j'ai pris cette meilleure offre et le calendrier a été expédié hier. Donc je suis trop contente. Je vais quand même l'avoir parce que j'ai voulu jouer quand même un jeu dangereux parce que j'aurais pu ne pas l'avoir. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient qu'il n'était plus en stock et puis qu'il revenait en stock et qu'il n'était plus en stock. Je me suis dit, oh non, non, ils vont m'avoir fait l'offre, je vais m'être abonné un an et en plus, je vais pas avoir le calendrier, je suis dégoûtée. Et en fait, j'ai déjà reçu mes deux box et mon calendrier de l'Avent a été expédié hier. Donc je suis super contente. Alors je sais pas combien de temps ça fait que je vous parle de la Glossy Box. Je crois qu'on a fait 10 minutes sur comment j'ai eu mon calendrier moins cher. On va commencer par la box que j'ai eue en cadeau. Donc vous devez la reconnaître. Je vous l'ai déjà présentée une fois il y a quelques mois. Donc c'était la Perfectly Imperfect. Alors je me demande si c'était pas une box d'été ça. Il me semble. Vous voyez, il y avait des autocollants à l'intérieur et tout. Je vous la représente vite fait. Donc à l'intérieur, mais ça me convient parce que j'aime ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a une éponge en silicone pour se gratter, une éponge en silicone pour se boucher. Voilà. Donc je suis trop contente hein, parce que ça j'aime bien. Vous prenez ça et vous faites votre petit gommage. Voyez, ça c'est super. Donc ça m'en fait une deuxième, c'est parfait. Alors j'en ai déjà une, mais ouais, peut-être que je l'offrirai à ma nièce, peut-être. J'espère qu'elle va pas voir la vidéo. Ouais, je pense que je vais la mettre pour Noël à ma nièce. Ensuite, ça, je l'aime bien, je m'en sers en ce moment, donc de la marque SVR, c'est le Topialise. C'est un anti-grattage, donc pour se laver. Donc, vous pouvez vous laver le visage avec ça, ou même le corps, il me semble, hein, mais moi, je ne fais que le visage.
il me semble, et c'est pas mal du tout. Ça a un peu l'odeur du mix à bébé. Voilà, le parfum du mix à bébé, c'est pas mal. Je vais vite hein, parce que bon, je l'ai déjà. Ça, par contre, j'aime pas. Soin doux, visage ensoleillé, Mira. J'aime pas du tout les huiles sur le visage. Donc, pareil, c'est Ramagnès. Moi, j'aime pas. C'est trop gras pour moi. Toutes les huiles que je mets sur le visage, et pourtant, j'ai la peau sèche et pas grasse. Je n'aime pas du tout les huiles sur le visage. Je déteste ça. Ouais, bah en fait, je crois que la box, elle va aller à Ramagnès. Hein. Ouais, je vais faire ça. Alors, ça, c'est un Glow Milk. Donc, ça, c'est un illuminateur avec de la coco et de l'argan. Et ça, ouais, j'en ai déjà un, donc ça sert à rien que j'en ai deux fois. Je vais pas vous l'ouvrir. Hein. Et ici, ben, je vais lui donner en fait, hein, parce que ça, je l'ai déjà. Donc, c'est un lip liner de chez Banana Beauty. J'aime beaucoup. Vous voyez la couleur? Voilà, je swatche pas parce que je vais lui donner. C'est un nude parfait, hein, vraiment. Donc, ça, c'était la box en cadeau. Je l'ai passé assez vite parce que bon, je vous l'ai déjà montré il y a quelques mois. Maintenant, on va passer à la box de novembre. Alors la box de novembre, elle est restée comme ça rose. Il me tarde la box de décembre. En plus, ils ont dit qu'il y avait un produit de plus dans la box de décembre. J'espère qu'elle va avoir un design différent, hein, qu'elle aura un joli thème de Noël. J'aimerais beaucoup. Alors celle-là, je l'aime bien quand même. Même si ce n'est pas une de mes préférées, je l'aime bien. Donc on retrouve. Donc je suis un peu deg parce que regardez ce qu'on retrouve à l'intérieur. Huile apaisante, cannelle et orange. Alors, c'est pas la même odeur, mais c'est la même marque et c'est exactement la même chose. Donc, je vais voir si on peut la mettre sur les cheveux parce que j'en ai une qu'on peut mettre sur les cheveux comme ça. Huile apaisante et détente. Winter is coming. Ouais. Non, on peut pas la mettre sur les cheveux. Bon, je pense que si, hein, mais bon. Huile apaisante. Bon. Peut-être pour les jambes, alors si j'arrive à la supporter sur les jambes parce que j'aime l'odeur. Mais vraiment sur le visage, je déteste les huiles. Hein, mais vraiment. Ensuite, on a eu donc. Alors ça, c'est trop bien. Une mini palette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais moi, je ne la connais pas du tout. Donc, de la marque Floss. Alors, c'est une petite palette de 4 fards à paupières. Et elle est assez sympa. Elle est pas trop mal, elle est nude, mais vous voyez, elle est quand même assez jolie. Il me semble qu'on avait eu une comme ça, dans les tons un petit peu rouge, il me semblait. Et là, elle est très nude, très nude, très nude. Elle est toute mignonne. J'aime bien. Alors, voyons ce marron-là. Vous voyez, on a un marron, mais c'est froid, c'est pas chaud, en fait, comme teinte. C'est sympa, ça. Ouais, parce que d'habitude, j'ai que des teintes chaudes, et là, ça m'a l'air un petit peu froid. Donc, c'est parfait. Donc, ça, c'est pas mal, vraiment, c'est pas mal. Je ne sais pas combien ça coûte, ça, d'habitude, mais... Donc, elle s'appelle Almost Nude. Ensuite, ça, j'aime bien. Ça, je vous l'ai déjà présenté. Je l'ai déjà eu en grand modèle. Je l'ai dans ma douche, d'ailleurs, en grand modèle. C'est un scrub lavant purifiant au sel marin de la marque Christophe Robin. Alors, ça, c'est pour les cheveux. Vous voyez, avant le lavage. Et Christophe Robin, c'est une marque de ouf, quoi. Donc, j'ai exactement le même dans mon bain. Vous voyez, oh, ça sent trop beau. J'adore ces trucs-là. Ça sent un petit peu. Alors, par contre, ouais, je dirais que ça sent le spa. Mais ça sent le Axe aussi. Vous voyez, c'est mixte un petit peu, ça. Donc, même si vous êtes un homme, franchement, vous pouvez vous en servir. Il y a 40 millilitres. Ça sent trop bon. Et ça purifie vraiment, vraiment les cheveux. Ça vous aide à avoir un cuir chevelu sain. Et ça, j'aime bien. Mais par contre, ça coûte une blende. Ça coûte une blendasse, ça. C'est pour ça que j'aime l'avoir, là, dans les glossy box. Un photo face comme ça de la marque Dr. Cosmetical Skincare Formula. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que Marion Caméléon, elle avait testé ça. Il n'y a pas très longtemps dans un de ses make-up, il me semblait. Vraiment, il me semblait. Il y a 30 ml. Alors, photo finish, effect in flash. Donc, on n'a pas de retour. On n'a pas d'effet blanc quand il y a un retour. Et puis, ça vraiment, ça lisse les pores et tout. Donc, c'est vraiment pas mal. Et qu'est-ce qu'ils disent? Appliquer une petite quantité sur le visage, le cou et le décolleté. Appliquer par de légers mouvements circulaires après le nettoyage et l'hydratation. Laissez sécher, puis appliquer ou pas votre maquillage. Voilà. C'est un effet lissant. C'est un effet lissant, mais en même temps, ça illumine un petit peu. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est chouette. Je pense que ça va être pas mal pour filmer des tutos. Dernier produit, bah alors j'étais trop contente parce que je n'avais rien de cette marque, de la marque Spectrum. Alors Spectrum, c'est une marque qui vend, une très bonne marque de cosmétiques, qui vend des pinceaux surtout. Et il y a aussi des palettes, mais là, moi j'ai eu ce pinceau-là, je suis vraiment trop contente. C'est le A
40. Et vous voyez, un petit pinceau applicateur comme ça. Ça, c'est super. J'aime bien. J'aime bien, en plus, il est trop joli. Il est vraiment trop, trop beau, là. Bon, là, je suis plutôt contente de cette box-là. Vous voyez, c'était... celle de novembre, elle est plutôt pas mal. Et celle de décembre, j'espère qu'elle va être vraiment superbe. J'espère. Je sais qu'en général, ils font des belles box quand il y a des occasions comme ça. Vous voyez, en été, on a de belles box. En général, ouais. Quand il y a des occasions comme ça, on a de belles box. Donc, pas mal pour Glossy Box, là. Vraiment ravi. Ravi, ravi. Je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos au cas où. Si vous avez envie de tester, ça vous donnera 5 euros de réduction à moins sur votre box. J'étais en train de boire mon petit café que je viens de me faire. Puis, je me suis dit, mais c'est vrai, tu leur as pas parlé de la nouveauté que tu as reçue de chez Shiglam. Alors, je vous parle de temps en temps de chez Shiglam parce que je suis en partenariat avec eux et de temps en temps, dans l'année, ils m'envoient des collections. Oui, j'avoue, la cuillère est un peu pas très adaptée. Elle est un peu grande pour la tasse, mais je crois que normalement, ces cuillères, ce sont des cuillères à glace, hein, il me semble. J'avais bien aimé le fait qu'elles soient là. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est... j'ai reçu un colis assez chargé. Je ne m'attendais pas à recevoir tout ça. Donc, en fait, j'ai reçu des highlighters, des blushs et des contours crème. Alors, ils ont sorti une nouveauté. Donc, ça, en fait, ce sont les anciens. Vous voyez, ce sont des blushs. Alors, la dernière fois, je n'avais reçu que les blushs. Je n'avais pas reçu les contours ni les highlights. Mais j'avais déjà reçu pas mal de petits blushs. Vraiment trop joli. Regardez-moi ce packaging. Bon, ça rappelle Fenty un petit peu. Hein. Très sympa. Je vous avais montré sur TikTok qu'on pouvait les utiliser de différentes façons. On pouvait s'en servir comme blush. On pouvait s'en servir comme rouge à lèvres. On pouvait s'en servir aussi sur les paupières. Alors, sur les paupières, ça tient un peu moins bien. Il faut une base et tout parce que c'est un petit peu crème. Et ça se présente de cette façon, vous voyez. C'est très sympa, très joli. Vous avez une petite mousse, ça sent très bon. Ça sent un petit peu la vanille. Et je trouve ça vraiment ce concept assez sympa. Donc ça, ce sont les anciens. J'avais reçu plusieurs couleurs. Hein. Vous avez des... Je ne sais pas si vous voyez la différence là dans les packagings, mais vous avez du plus ou moins rosé. Vous aviez du abricot, du très clair. Enfin, voilà. Et là, j'ai reçu donc la même chose, mais en nouvelle version. Alors attendez, où sont les blushs? Là, voilà, ça fait partie des blushs. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, le packaging va être légèrement différent, mais je trouve que c'est vrai, ça apporte un petit charme supplémentaire. Je trouve que c'est très joli. Donc là, c'est le Color Bloom Liquid Blush. Ouais, c'est écrit en français dessous. Fard à joues liquide Color Bloom. C'est la couleur Love Cake. Donc, très, très rose bébé. Hein. On va l'ouvrir. Et puis on va le tester ensemble. Mais d'abord, je vais vous montrer la différence de packaging. Alors, vous voyez, c'est très léger, mais on voit la différence. Ça apporte tout son charme, vous voyez. Là, c'est torsadé. Les nouveaux sont torsadés. Et ceux-là, ben, sont droits. Il a des lignes droites et celui-là, des lignes torsadées. L'intérieur, alors, il m'a l'air plus brillant aussi. Ouais. Ah, l'écriture aussi n'est pas la même. J'avais pas fait attention à ça. Ah ouais, mais c'est vachement sympa, en fait. J'ai l'impression qu'il est plus lourd. Donc, vous voyez, la police d'écriture aussi, là, l'écriture est en relief. Et là, c'est juste calligraphié par-dessus, quoi. Mais là, c'est vraiment en relief. C'est sympa. Franchement, j'avais pas fait attention, vous voyez. Pourtant, je les ai ouverts, je m'en suis servi. Pas de celui-là, parce que je trouve que ce rose-là ne me va pas. Hein. C'est trop rose pour moi. Le parfum reste le même. Ça reste pareil. C'est pas plus gros, ça aussi. La petite mousse, elle n'est pas plus grosse, là. Non, je dirais que la... Oh, si, ça a l'air légèrement... Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça a l'air légèrement plus gros. Alors, tant qu'on y est, on va le tester, celui-là. Hein. Alors, attendez que je ne les mélange pas. Ça, c'est l'ancien, ça, c'est le nouveau. Donc, le nouveau, vous voyez, vous faites juste ça. Et puis, ensuite, vous venez en mettre sur la joue. Oh non, quoi que, ça, je peux le porter, je pense. C'est pas si rose que ça, mais vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment très joli. Moi, j'aime bien ce système-là. C'est très facile d'application. Et ensuite, vous venez l'estomper. Donc, ils m'ont fourni un pinceau qui va avec. Vous venez l'estomper avec ce pinceau-là. C'est le Color Bloom Liquid Brush Blush. En pâte de chien. J'adore. Celui-là, je le voulais, mais je le voulais. Je suis trop contente qu'il me l'a envoyé. Voilà. C'est le petit, le fameux pinceau en pâte de chien. Il est vraiment trop beau. Regardez comme il est joli. Et je sais qu'il y a plusieurs marques qui en font. Mais ils sont assez difficiles à trouver quand même. Vous voyez, ben vous venez l'estomper. Ah, ça s'estompe très facilement. Oh non, mais ça fait un effet naturel quand même. On voit la couleur, mais ça fait un effet naturel. Ah, vraiment trop joli.
Je vais peut-être en mettre sur le visage avec vous. Là, j'ai pris mon miroir. Je regardais mon rush pour voir si on voyait assez bien. Alors, je filme ici. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas filmé comme ça. D'habitude, je filme debout devant mes plantes. Et là, pour ça, c'est quand même plus simple de filmer comme ça. Donc, on a ouvert un blush. Donc, attendez, maintenant, on va ouvrir. Alors, franchement, ils m'en ont envoyé beaucoup, 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 beaucoup. Foncé comme ça. Oh, celui-là, il a l'air magnifique. Oh, on va l'ouvrir. On a du foncé, on a du clair, on a vraiment... Mais celui-là, il est limite rouge, il me plaît énormément. Donc on va l'ouvrir. Je pense que c'est celui qu'on va tester tout de suite. Parce que je trouve que, vous voyez, ça rappelle un petit peu mon pull. Donc j'ai bien envie. Donc celui-là, il s'appelle Swipe Right. Ouais, on va le tester. On va le tester, on va le tester. Je vais le mettre d'abord sur ma main quand même, que ce ne soit pas trop foncé non plus. Ouais, il a l'air sympa. Bon, toujours ce joli packaging. Et en effet, ouais, il est beaucoup plus foncé. On va en prendre un petit peu et on va le mettre ici. Il est magnifique. Alors ça, sur les lèvres, je pense qu'on peut aussi tester de le mettre sur les lèvres. Bon, j'en ai là, je vais pas mettre, mais quoi que peut-être je peux le mettre par-dessus. Alors attendez. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que pour pas me rater, je vais le mettre sur ma main. Et alors, je vais prendre un petit miroir et on va essayer. Alors, attendez, j'espère que je vais pas en mettre plein les cheveux. Alors, on va en prendre un petit peu comme ça. Et ouais, c'est subtil. Alors, j'ai pas de fond de teint. Hein. Je m'attendais pas, enfin, j'avais pas prévu de filmer ça aujourd'hui, donc j'ai pas de fond de teint. Donc, ça accrochera pas de la même manière. Ma peau est nulle là, hein, j'ai même pas de crème de jour, rien du tout. Donc j'ai la peau nue, bah, vous voyez vraiment la différence quoi. C'est très très pigmenté. Vous savez quoi, on va tester l'highlighter aussi après. Bah vraiment, vous avez vu, j'ai pas mis grand chose hein. Attendez, bon après c'est une couleur assez forte aussi. On va remettre un peu de ce côté que je... Oh, quoique, non, ça va. Voyons. Non, non, c'est moi, c'est la lumière du jour qui fait ça. Non, non, c'est bien, c'est bien mis. Bon, j'ai peut-être même un peu exagéré, mais c'est pour vous montrer que même si on en met très peu, vous voyez, après, on peut vraiment l'ajuster. Hein. Puis, on peut en mettre moins aussi, parce que j'en ai mis quand même pas mal. Donc, attendez. Alors, je nettoie un petit peu le pinceau et on va attraper, ben, pourquoi pas un contour ou un highlighter. Mais c'est vrai que j'ai pas mis... Donc, ça, ce sont les blushs. Les blushs sont roses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Là, on a... Ça, c'est un autre blush. Vous voyez, vous avez même du clair comme ça. C'est joli, hein. Vous avez un clair comme ça, assez saumonné, mais saumonné clair. J'ai envie de le tester sur mes mains, celui-là, pour voir. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de make-up, hein, franchement. Et les yeux, pareil, ça fait trop longtemps. Un de ces quatre, il faudra qu'on fasse ça. Hein. Le Hush Hush. Hush Hush. Très joli, celui-là aussi. Alors, voyons. Celui-là, je pense que je vais aimer. Donc, c'est plus un nude pêche, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors. Ah ouais. Bah, très nude. Hein. Très nude. Celui-là, si vous avez la peau claire ou si vous voulez faire quelque chose de très léger, pas comme moi, là, ça l'a manier, celui-là. Ça sent bon. Après, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, on a encore plus clair. Ah, ça, est-ce que ce serait pas un contour, ça? Non, c'est un fard à joues. Alors, on a un fard à joues dans les tons marronnés également. On a vraiment toutes les couleurs. On a le Love Cake ici, un rose un peu plus soutenu que le premier. Alors, ce que je vous ai montré avec ce packaging, ce sont des bronzers. Et les highlighters, ils sont tout blancs. Voilà, les highlighters sont blancs comme ça. Donc, les highlighters, j'en ai un. Non, ça, c'est un blush. Ça, c'est un contour. Donc, j'ai deux highlighters. Trois highlighters glow, voilà. J'ai trois highlighters, donc on a... Ah ben là, on n'a pas les couleurs par contre. Vous voyez, on n'a pas les couleurs. Ou alors, c'est qu'ils sont tous très clairs. On a le Tea Cake, le Vanilla Frost et le Bellini Brunch. Alors, on va les tester tous les trois, vu que ils m'ont l'air clairs finalement. Si c'est vraiment la couleur du packaging, c'est très clair, donc ça ira très bien. Ouais, attendez, on va faire tout à l'envers, on va mettre le highlighter avant de, mettre le, avant de tester le contour. Je m'aperçois que quand même j'en ai mis pas mal. Bon, ça vient aussi du fait que je porte pas de fond de teint. Donc le Tea Cake, l'highlighter Tea Cake, on va voir ce que ça donne. On va tester ça.
Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Ouais, il n'y a pas de couleur, là, on ne peut pas trop voir, mais ça m'a l'air doré quand même. Quand on voit le packaging, quand on voit la couleur, vous voyez en dessous, à travers le packaging, on dirait que c'est doré. Donc, on n'a pas le même embout. Oh, ça a l'air vraiment très highlighter. Bon, en même temps, c'est un highlighter. Ah, ouais. Oh, il est magnifique. C'est vrai qu'il est doré. Ouais, il est champagne doré. Il n'est pas... Ouais, non, il n'est pas si doré que ça. Il est champagne doré. Il est très joli. Il a le même parfum. Alors, celui-là, je vous ai dit, c'est le Tea Cake. On va tester également le Bellini Brunch. Alors, on va voir s'il est plus clair ou plus foncé. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de couleur là sur le packaging par rapport au bronzer et au blush. Il n'y a pas de... Ah, j'aurais peut-être dû les ouvrir avant. Je voulais vous faire ça à un unboxing. C'est pour ça que je n'ai pas ouvert. Et donc là, le Bellini Brunch. Alors, on va voir ce qui rend celui-là. Celui-là, il m'a l'air plus foncé, plus rosé aussi. Ouais, il est plus foncé. Donc, vous voyez, ça, c'est plutôt rose gold. Donc, je pense que le mien... Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Regardez. Il est vraiment super joli. C'est vrai qu'il est rosé, celui-là. Donc, ça ne m'ira pas. Moi, je pense que je partirai sur le champagne. Et celui-là, je dirais que le Vanilla Frost, je pense que ça va être le plus clair. Et j'espère qu'il va être glacé. Parce que quand on dit Frost, quand même, en général, c'est plus glacé. Alors, on va le tester. Alors, Vanilla Frost, qu'est-ce que ça donne? Ouh, ça m'a l'air bien scintillant tout ça. Donc, le Vanilla Frost, même le packaging brille et tout. J'avais pas fait attention, regardez le packaging. Oh, il est holographique, il est vachement beau. Ah ouais, c'est le plus clair, donc je vais le mettre. On va le mettre ici. Oh, il est beau, il est beau. Bon, j'ai le blush dessous. Non, ça va pas aller là. Je vais pas vous mettre là parce que j'ai le blush dessous. On va le mettre là. Regardez, là. Oh, il est beau celui-là. Donc, on va tester celui-là. Alors, je vais tester autrement. Je vais le mettre directement sans en mettre trop au-dessus, là. J'essaye de pas en mettre trop. J'essaye, on va dire. On prend le pinceau. On va voir ce que ça donne. Ouais, alors moi j'ai des pores là en plus, donc ouais, mais il s'étire vraiment bien. Oh, il est beau, hein. Waouh. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je le trouve vachement joli. Alors il n'est pas très bien mis, hein, parce que j'ai monté le blush très haut. Et j'ai des pores, donc j'ai pas le... Vous voyez, ça va rentrer dans les pores, j'ai pas le fond de teint. Mais je sais pas si vous voyez, mais il est très joli. Attendez, on va reprendre un peu de là. On va en rajouter. Oh, il est superbe. Attendez, on va mettre de l'autre côté parce que là, ça fait vraiment... ça fait pas top du tout. Voilà. Hop. Il est beau. Vraiment, il est très joli. C'est vrai que ce pinceau, il est top pour appliquer ces matières un petit peu liquides là. Vraiment top. Hein. Je l'ai un peu trop descendu là. Attendez. On va... Ouais, je l'ai un peu trop descendu, mais il est sublime. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, après, j'ai pas une super lumière, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais les highlighters, il y en a trois là. Waouh! Et maintenant, on va tester les contours. Alors, les contours, vous voyez, par contre, oui, ce sont les bonnes couleurs. Donc, on a du contour comme ça, du contour foncé, du contour froid ici. Ça dépend si on veut sculpter ou si on veut bronzer. Voilà. Donc, je pense que c'est deux choses différentes, en fait. Est-ce que c'est écrit Sculpt, Sunsculpt? Non, tous les deux, c'est Sunsculpt. Donc, j'ai bien envie d'essayer. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, il y en a qui sont vraiment plus ou moins foncés. Ah ouais, mais il y a même, vous voyez, il y a plein de teintes. Est-ce qu'il y en a une autre? Il y a cette teinte-là aussi. Il y a vraiment la blend de teintes. Non, ça, c'est quoi? Sculpte aussi. Oui, il y en a plein. Non, ça c'est un ancien. Voilà. Il y a plein de teintes. Et moi, je pense que je vais tester une teinte pas trop. Ouais, je vais tester celle-ci là. Ouais. Irzy Sepia. Donc on va tester celle-là. Irzy Sepia.
Alors, du coup, ce serait plutôt un contour ou... C'est un sculpte contour liquide, ouais. Donc, je vais l'appliquer comme si je mettais un bronzer. Bon, désolé, comme vous avez dû l'entendre, la sonnette s'est mise à sonner. Et du coup, j'ai un ouvrier juste à côté, donc je lui ai ouvert, maquillé comme un camion volé. Je sais dire, c'est quoi ce truc? Donc, on va éviter de mettre le contour, hein, parce que là, je suis en train de faire du crash test, mais j'avais pas prévu qu'il y ait quelqu'un qui soit dans ma porte. Donc, je vais le tester sur mes mains, voilà. Donc, c'est le Earthy Sepia, et on le testera une autre jour sur moi. Hein. Je vais pas, voilà, parce que là, je fais du crash test à mettre ça n'importe comment. Si je m'étais maquillée, parce que là, vous voyez, moi, je force un peu plus. Quand je vous explique. Quand je filme, je suis obligée de forcer un peu plus sur les couleurs pour vous montrer, pour que ça paraisse bien à la caméra. Parce que si je force pas quelquefois, ben, on voit pas grand-chose à cause de la lumière, déjà. Et comme on est en automne, là, la lumière est pas terrible. Donc, je force un peu plus. Donc, on va éviter de passer pour une tarée. Je vais donc vous présenter, ça sur mes mains. Donc, vous voyez le packaging toujours aussi joli. Et du coup, ben, très foncé. Donc oui, non, on va éviter. Oui. Donc j'aurais pas pu le mettre de toute façon. C'est trop foncé. On dirait carrément du chocolat. C'est sublime. Donc celui-là, c'est le Earthy, je sais plus comment. Maintenant, on teste le Tawny Amber. Donc Tawny Amber. Il est plus clair celui-là. Et il m'a l'air légèrement plus froid. On va tester ça. Donc déjà que je dois m'entendre parler toute seule, on va éviter. Donc vous voyez, il est comme ça, il est plus clair. Oh là là, c'est ça les aléas des youtubeurs en fait. Des youtubeurs et des youtubeuses. Quand tu te maquilles et que ben, t'as génial. Donc quand tu te maquilles et que t'as quelqu'un qui sont dans la porte, tu es quand même obligé de répondre. Et si t'es à moitié comme là, à moitié mal, hein? Bah, tu ouvres quand même, donc là on va éviter. Ah ouais, il est plus froid, il est très joli. Bon, mais écoutez, il a ressonné, il vient de repartir. Ah, voilà, parce qu'en fait on est venu nous changer le compteur parce qu'apparemment il relevait pas bien. Donc on espère que. Alors j'ai demandé si on allait avoir une réactualisation. J'ai demandé si on pouvait avoir plus. Il m'a dit ben normalement vous auriez plutôt moins que plus parce que ils prennent une marge en fait et après normalement ils rendent. J'ai dit, j'espère que ça ne va pas être le contraire, parce que bon, voilà. Bon, enfin, il est parti. Je suis passée pour une tarée avec... J'avais forcé comme une fois. En plus, la lumière n'est pas la même dehors. Vous voyez, moi, je ne me suis pas maquillée aujourd'hui pour sortir. Je me suis maquillée pour que vous voyez les couleurs. Donc, voilà. Maquillée comme un camion volé. Avec des trucs, des swatchs partout. Donc, bah, écoutez, vu qu'il est parti maintenant, bah, que j'ai plus trop de rouge à lèvres... On va tester ben, un blush sur les lèvres. Voilà, pour que vous voyez un peu que ça... On va essayer le Devoted. Alors, c'est celui que j'avais essayé dans la vidéo TikTok. D'ailleurs, je crois que c'est un de ceux que j'ai pris. Hein, dans l'ancienne version. Donc, je l'avais essayé dans le TikTok. Voilà, donc on va le mettre sur les lèvres. Et je vais vous montrer qu'on peut s'en servir également pour les lèvres. Alors, normalement, il vous faudra quand même un... Trop beau. Il vous faudra quand même un pinceau à lèvres adapté. Moi, je vais faire avec ça à l'arrache. Mais il vous faudra... Voilà. Vous mettez un crayon à lèvres et vous prenez ça, vous étalez un petit peu et ensuite, vous mettez ça avec... Un pinceau à lèvres et ça tient très bien. J'avais testé la dernière fois, ça tient très très bien. Magnifique. Vraiment, cette couleur, elle est trop belle. J'avais trop aimé la dernière fois, c'est pour ça que j'ai voulu la retester. Bah écoutez, c'était les nouveautés de chez Shiglam. J'espère que ça vous aura plu, qu'on ait fait un petit peu de make-up. Alors même si c'était du make-up un peu rigolo, un peu à l'arrache, parce que je voulais juste vous montrer les couleurs et vous montrer les nouveautés, les nouveaux emballages. Vraiment, les packagings sont extrêmement, extrêmement beaux. Le rosé pour les blushs, le doré blanc pour les highlighters et le marronné nude pour les bronzers. Vraiment magnifique, cette collection est très très jolie.